Je suis Alain. Je suis Michel. Je suis Bernard. On s'est connus. On s'est reconnus. On s'est perdu de vue. On s'est retrouvés. On a échangé nos idées, nos outils, nos envies et notre énergie. Check les gars. Check les gars. Check les gars. Check les gars. Salut, moi c'est Florence. Salut Florence, mais t'arrives trop tôt là dans l'histoire. Ouais, je sais les gars, mais j'ai trop envie de vous rencontrer. Florence, mais à ce moment-là de l'histoire, tu sais, tu es encore à l'école du côté de Saint-Étienne. Ouais, je sais les gars. Bon, ben écoutez, en attendant de vous retrouver, je vais aller réviser mon contrôle de maths. Allez, à bientôt. À bientôt, à bientôt, Florence. Florence, dans la poursuite de tes études, ça serait bien que tu prennes option gestion. Ça pourrait nous aider. Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait là? On se sort le cul d'errance et on crée une scope. Ok, allez, au travail. Musique. Bon, de toute façon, on avait terminé. C'est bon, c'est bien fixé, c'est solide, c'est du bon bois, ça. Ok, allez, on ramasse la scie aiguine, la sapie, on dresse le mât et vogue la galère. Direction l'hémisphère sud. On traverse les montagnes, les Pyrénées. Oh, attention, ça secoue. On arrive en Espagne, on rencontre nos homologues espagnols. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se pasa con los todos bucherones? Bon, heureusement, on avait pris Marie avec nous qui sait parler espagnol. Nous repartons, encore plus au sud, direction la Nouvelle-Calédonie. On va aider nos copains Kanak à construire une scierie dans la brousse. Mission accomplie, allez, on repart. Hémisphère nord, c'est reparti. Mais il y a un orage qui approche. Équilibre, équilibre les gars, équilibre. Équilibre. On devient des funambules, mais même pas peur. Nous devons trouver d'autres caps, d'autres horizons, d'autres soleils. Allez, il faut reprendre notre sapi, faire levier et soulever de nouveaux projets, de nouveaux chantiers. Nous sommes des militants de l'économie solidaire. Qui a envie de venir? Viens, se trouve une place et trouve son job. Habitat coopératif, développement durable et social. Politique d'insertion. Allez, monsieur, dame. Porteur de projet, la porte est ouverte. On est quand même trois vieux cons, là, sur notre rachis. Ouais. Non, les gars, on a beau rééquilibrer, il y a toujours un certain déséquilibre, quand même. Hein. Ouais. Hé, hey, les gars, I'm back. Attendez, je vais un petit peu rééquilibrer. Voilà.
Bon, c'est Florence. Hein. Alors, avec Alain, on a créé deux coopératives d'insertion. Courte échelle et très d'union. Mais allez, messieurs, dames, la porte est ouverte. Salut. La porte est ouverte. Je suis rentrée. Trait d'union et courte échelle, ouais. Je comprends l'idée. C'est le lien, l'entraide, comment relier, tout ça, quoi. Trait d'union. Trait d'union, quoi, mais pourquoi? C'est parce que c'est super compliqué, déjà, les traits d'union dans les mots. On sait jamais où ils se passent. Par exemple, dans trait d'union, il n'y a pas de trait d'union. Ah! Et courte échelle, il y a un trait d'union? La courte échelle, c'est un truc de loose, ça. C'est un truc de quand on a 15 ans, quoi. Courte échelle, alors, où t'es le porté? Le porteur, d'abord, qui se pète le dos et qui se rine les phalanges. Où t'es le porté qui doit tenir l'équilibre, s'accrocher à un pauvre mur, et t'as la pression parce que t'as l'autre qui dit « Tu m'as crevé un œil avec ton genou !» T'as pas ce problème-là avec la grande échelle. Sinon, dans la même idée, là, le truc pas très ambitieux, là, tu pouvais parler de... d'un escabeau. C'est plus stable. Mais il n'y a pas de trait d'union dans l'escabeau. Et sinon, sapi, ça veut dire quoi? Comprends pas, quoi. Sapi, sapi. Ah, salut, je travaille à sapi. Comprends rien. Pas clair. Tu vois, tu dis, je travaille à Intermarché, je travaille au Crédit Lyonnais, ça c'est clair, quoi. Sapi. Ça doit être un sigle. Si vous êtes farci de sigles, DATAR, SCOPE, CIC, DALA, tu comprends pas rien. Mais SAPI, c'est un truc que vous avez dû inventer. Ouais. Ouais. Si. Un crypto-sigle. Un truc de 68 arts, à la fois révolté et rigolo. Hein? S-A-P-I-E. Société anonyme pour intrépide écorché. C'est ça? Florence? Bernard? Alain? Michel? Moi c'était Cassandre. Vous allez peut-être en rencontrer d'autres des Cassandres. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, je suis comptable, et voici mon curriculum vitae. Alors, bon écoute Jean-Pierre, on est des billes en comptabilité, donc on a vraiment besoin d'un pro. Alors, avec tous les entrepreneurs qui arrivent maintenant, on va te prendre. Moi je te sens bien Jean-Pierre. Ouais, ouais. Tu vas apprendre à dénouer ta cravate et tu vas travailler pendant 20 ans avec nous. Après viendront Babette, Sylvie et Valérie. Bon allez, on tient l'équilibre. Équilibre. Équilibre. Rémi, Mahmoud, Jean-Pierre et tous les autres. Équilibre, équilibre, équilibre. Attention. Alors, il y en a qui partent vers d'autres ports, qui s'en vont vers de nouvelles aventures, sur de nouveaux territoires, et puis des nouveaux embarquent. Cap sur les sites internet et le numérique. Salut Peter! Ça te connaît les voyages, hein? Welcome! Ça va Corinne? Tu tiens l'équilibre? Christine, Christelle, Emmanuel, tout va bien? Ça va? Ça va, ça va, ça va. Mais il y a un nouvel orage qui approche.
On s'en fout, même pas peur. Mais il devient de plus en plus difficile cet orage. C'est une tempête. Équilibre, équilibre. On est des funambules. Mais là, l'orage continue, continue. Le bateau tangue et chavire, on le répare, on s'en fout, même pas peur, on continue. Mais le rafio s'abîme à nouveau. On le répare à nouveau, mais l'équipage s'épuise. Si on ne veut pas finir comme le radeau de la Méduse, il faut créer une nouvelle structure. Alors on s'allège. On repeint, on se réinvente. C'est bon. Équilibre. Notre tapis est toujours là. Allez, la nouvelle génération. On monte à bord. Et il n'y a pas de feignasse ici. Hein. Tout le monde se met au boulot. C'est dans l'ADN de Sapi. On travaille, on travaille. Et notre mot d'ordre. Qu'est-ce qu'il est, notre mot d'ordre? On tient l'équilibre. Même pas peur. Tous mes souvenirs s'enfument aux 30 bougies qui s'allument. Je soufflerai. Je partirai plus tard. Promets-moi de faire silence avec mes souvenirs d'enfance. J'ai eu 30 ans, je suis content. Bonsoir. Bernard, que j'ai un peu embêté, à qui j'ai posé des questions, Carole aussi, et qui m'a fait la régie. Merci beaucoup.